Vous avez déjà soucié une pote? Monsieur Miguel. Si, non. Vous écoute. Non, ça va, non. Pas être mal à l'aise, hein. C'est une simple question. Ça vous intéresse une petite balade en montagne? Il y a le choix. Entre amis. Ah bah pour le coup. Il n'y a pas le choix, de toute façon, c'est des amis imposés. Mais si, vous avez le choix, bah, monsieur Miguel. Si, ça il y a le choix, il y a bien. Pas le choix de la famille, mais. On va faire un barbecue. Barbecue en montagne, ouais. C'est bien, en ce moment, en plus, au BCSO, on fait passer les permis chasse. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais. Il est bien raconté sa vie, lui, quand même. Hein. Oui. Ben non, il n'y a pas de problème. Il est chef adjoint. C'est pas n'importe qui, c'est chef adjoint. L'argot. C'est bien. Au-dessous, il y a le shérif adjoint, le shérif, et c'est tout. C'est bien. Et vous, quoi? Il y avait une gommette. Il y a déjà eu deux gommettes tout à l'heure, lui. Une bleue et une rouge. Donc, on va le faire du camping autour d'un bon feu. Moi, j'ai dit oui. Yacht. Bah, nous aussi. Et on a d'autres copains qui viennent. Oui. Quelques-uns, oui. Bon, donc il y a mon derrière. Oh, commissaire, vous allez bien? Monsieur Collins, bonsoir. Si, ça va la forme? Bah, ça peut aller, vous? Si, ça va, écoutez. Impeccable. Mais nous, mon deuxième prévenu, là. C'est impeccable. Il n'y a jamais vu autant de doigts bafoués dans une vie, mais c'est bien. Ah bon, vos droits sont bafoués? Ah bah, il est sous pingale de vue, Pélo, il pose mon cul et puis tout ferme ta gueule, donc si, c'est pas mal. C'est après, avec des choses comme ça, faut pas s'étonner que les loups sont dangereuses. Mais non, monsieur Collins, voyez où? Malheureusement, c'est la vérité. Vous montez à l'arrière, monsieur Collins? Oui, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas le choix, alors il monte. Oui, oh Hermano, si, ça va? Allez, señorita! C'est la merde. C'est la merde. Si, on va faire du tourisme forcé, mettez à Saint-Tours. Ils ont une bonne point de vue, on peut y aller? Bah, ils ont qu'à rester à l'intérieur, il faut les photos après qu'on soit parti. D'accord. Et vous dites à votre copain qu'il essaye de mettre le feu, mais il pleut, hein? Vous en faites pas, il a ce qu'il faut. Et le sens du vent, le vent vient vers nous. Il y a bien l'impression qu'il est en train de brûler. Oh, mon Dieu, c'est un champ de cannabis, ça, non? Oh, le véhicule. Oh, le véhicule. Oh là là. Oh, le véhicule. Oh, le véhicule. Oh, le véhicule. Oh, le véhicule. Oh, le policier. Oh là là, il a cramé tout le monde. Ça va boomer, hein? Non? Vous essayez de reculer fortement. On est tellement sur l'élite de... Carrément, une feu des forêts. Tom. Si. On a affaire à l'élite. L'élite du RSPD. Avec un peu de chance, si on prend un peu les fumées, on va être défoncé. Hein. Du coup, qu'on va pour Monsieur Nil, c'est ça? Ben, vous le ramenez. Oh, putain. Déplacez-le d'ici. Allez, ramenez-le. En cellule, allez. En cellule. Okay. Monsieur Collins, vous redépose. C'est gentil. Bah ben, oui, c'est normal, hein. Attends, mais y a du monde là, dis donc. Comme quoi, hein. L'intérim, ça marche bien. Ça marche bien, l'intérim, ouais. Et bonne soirée, Monsieur Collins. Je vous en prie, merci à vous. Bah, ben, merci à vous, merci. Surtout. Si, bonne continuation. Faites attention à vous. Ben, vous aussi. Hein. Ils amènent smoke en fédéral. Ouais, 4h, on sait. Vous êtes déjà au courant de combien il prend? Ouais, bouzou. Et toi, ça va? Ils ont brûlé les champs. Ils ont fait péter les transformations. J'ai un peu joué les marshals, c'est la merde. Et forcément, une personne qui a balancé. Ils m'ont récupéré mon arme. On m'a demandé, vous avez une arme? J'ai dit oui. Timigol. Si, ils l'amènent en prison fédérale. Il y a forcément une taupe. Tu penses? C'est sûr, ils savaient tout, ils connaissaient tout. Donc ils ont cramé les champs. Ils ont cramé le champ? Ils ont cramé le champ devant nous. Quand ils sont arrivés chez nous, ils savaient où aller. Ils m'ont dit où vous m'amenez, ou de toute façon ils pètent tout. Donc, pour moi, ils avaient des informations qui sont des informations qu'ils ne pouvaient pas avoir que de l'extérieur. C'est une personne qui a parlé. Après, on sait qui a posé le dossier et qui nous a niqué la gueule. C'est qui? C'est BCSO. En gros, si tu veux, le BCSO, chose qu'on n'a pas fait avec le SPD, on leur a dit, écoutez les gars, tant que vous nous laissez faire des trucs en soum-soum, vous nous faites pas chier, on déclarera pas de guerre. Et ils nous ont dit, on sait très bien que vous êtes suffisamment bons pour nous faire beaucoup de dégâts, j'ai pas envie d'envoyer mes gars au casse-pipe, donc on vous laisse tranquille. Et, qui c'est qui vous a dit ça? Le shérif Touré. Et en gros, j'ai su qu'un mec à lui a fait des demandes de perquisition sans motif valable. Je lui ai bien fait comprendre, on allait bien se faire foutre. Je dis à Touré que c'était une mais pas deux. Apparemment il a refait une deuxième fois, il nous a bien baisé, donc on s'occupe plus. Bah je le traite en interne si on court. Tiens-moi au courant si t'as besoin d'aide. Il y a le petit là, je sais plus comment il s'appelle. Il dit que les familles, enfin les verts lui reprend 80$ le sac, que je pense que ça, enfin ça m'étonne. Et là il est en train de forcer pour qu'on lui augmente son tarif. Bah, c'est qui? Le, je sais pas là, son frère c'est Devon, je crois, je sais pas comment il s'appelle. Tu te rappelles de Devon? Si.
Mais il s'était présenté comme son frère ou son cousin, je sais plus. Mais non, plein 60, s'il va voir et qu'il aille voir les familles. Ils m'ont parlé des Ice-T en garde à vue, mais c'est pas Ice-T. Ouais, alors Ice-T, ouais, il vient de nous avouer un truc qu'il a dit en garde à vue. Apparemment, pour esquiver le sujet, il aurait dit aux flics ouais, on sait que les familles sont de retour, je sais qu'ils commettent des meurtres et tout. Mais putain, mais il peut pas fermer sa gueule. Donc on lui est déjà tombé dessus et bon, on s'est dit que bon. Ben, Nate était pas au courant donc. Je sais plus ce qu'il a dit, mais bref, il a dit qu'il commettait des meurtres et tout. Que Guigui commettait des meurtres ? Non, non, que les familles commettaient mais des meurtres. Mais pourquoi ? Mais ferme ta gueule, Ice-T ! Bah ouais, mais c'est ce qu'il a dit apparemment aux flics. Il nous a pris ça tout à l'heure. Mais si, quand vous parlez aux flics, dites-leur, au pire, il veut pas répondre à votre question. Guigui, tu l'as pas dit quand même, les familles, ils font des meurtres et tout ça. Mais c'était à l'interrogatoire, ça. Mais on s'en fout, on n'est pas des balances. Si tu racontes des conneries, tu les racontes sur toi. Même pour rigoler, tu vends pas une gang adverse, ou une gang tout court. Les gangs, ils la prennent, ils partent en couille. Si tu fais ça pour l'argent, faut vraiment... Écoute-moi bien, non, parce que là, on commence à casser les couilles. Écoute-moi bien, si tu veux te payer plus, tu vas voir les autres putes. C'est compris ? Est-ce que c'est compris ? Est-ce que c'est compris ? Arrête de parler, Tu fermes ta gueule. Je viens de te dire, si tu veux te payer plus, tu vas voir les autres. Qu'on soit avec toi ou sans toi, ça changera rien. Est-ce que t'as compris le message ? Mais j'ai compris, mais justement, moi justement... Tu veux que je te fasse comprendre autrement ou pas ? Mais absolument pas. Et bah dans ce cas-là, ferme ta gueule. Ok. Bon bah vas-y, viens, on y va. Ouais, au revoir. Fabio, les deux mecs là qui faisaient les actes pour nous apparemment sont en train de cracher sur notre gueule auprès de toutes nos petites mains. Vous avez le numéro de ces mecs, Fabio ? Ouais, je te l'envoie. Allô ? Seigneur Fabio ? Oui, bonjour. Bonjour. Qui c'est ? Je suis Miguel. Je suis la personne qui gèle la mano. Ah, vous êtes le chef ? La mano ? Il semblerait que vous ayez une bouche assez bien pendue depuis une demi-heure et que vous avez envie de colporter des bruits. Non, non, je pense que honnêtement, on s'est mal compris, c'est ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment. Parce que c'est des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses. Vous pouvez aller dire des choses sur la mano, mais souvent les gens les retrouvent découpés comme nous saucissons. Dans cette ville, tout se sait. Ce n'est pas un jeu, monsieur Fabio. Et je sais, je sais tout à fait, mais c'est justement pour... Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure manière de négocier. Vous nous avez fait comprendre que vous vouliez plus négocier, monsieur le chef. Non. Vous avez dit de partir et de fermer notre gueule. On vous a dit que si vous voulez être payé plus, il faut aller bolesser plus, et que si ça ne vous allait pas, vous aviez à disposition d'autres personnes prêtes à l'acheter. C'est vous qui l'avez dit vous-même. Vous avez une personne qui vous le paie à 80. Allez-y. Honnêtement, c'est pas l'argent qui nous intéresse, monsieur le chef. Je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'on s'est mal compris. C'est juste que nous, ce qui nous intéresse, c'est que, quand même de faire autre chose ou quoi. Comprenez, ça fait quand même une semaine ou quoi que je fais des supérettes à longueur de soirée. Et des fois, je me fais arrêter tout ça. Et c'est juste pour ça, j'avais pas l'impression que ça menait à quelque chose. Et là, votre collègue à la fin nous a fait comprendre qu'on était des merdes quoi pour vous. Ah non, pas des merdes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on vous servait à rien, quoi. Honnêtement, c'est ce qu'il a dit. Il vous faut une proposition commerciale ou décidez de faire le forcing dans un quartier que vous connaissez pas avec des potentielles personnes ? Non, c'est pas ça. Comme je vous ai expliqué, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Parce que comme je vous ai dit, j'aurais pu aller voir les mecs et leur vendre des sacs. Tout simplement, c'est juste qu'on souhaitait avoir un but ou quoi, savoir pour... Enfin... Oui ? Mais peut-être que c'est votre manière de demander qui n'est pas la bonne. Oui, je pense que c'est pour ça aussi que je dis que c'est une maison de tente. Peut-être que c'est vous et votre collègue qui n'entendez pas. C'est juste qu'on voulait juste savoir pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ailleurs, tout simplement, c'est juste ça. Est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, peut-être c'est potentiellement des armes ou quoi à nous proposer, ou je sais pas, vous comprenez ? Des armes à vous proposer, c'est-à-dire vous voulez acheter des armes ? Avec les supérettes, on commence à faire un peu d'argent, quoi. C'est possible. On peut vous vendre des armes. Et c'est à quel prix, ça ? Un pistolet ? Il faut compter 12 000 $. Bon, bah, ça marche. Bon. Si on s'est mal compris, pero... Vous savez que tout se sait. Attention à comment vous parlez. Oui, je sais, mais pour Mike, j'ai juste dit mon ressenti, quoi. Et j'ai juste répété ce que votre collègue m'a dit. Il m'a dit qu'on était des merdes et qu'on devait la fermer et qu'on leur servait à rien, c'est ce qu'il nous a dit. Du coup, j'en ai juste fait part à Mike. J'ai juste dit que, voilà... Ce n'est pas un jeu. Il n'y a rien qui est rigolo. Comme je vous ai dit, moi, j'ai rien dit de mauvais sur vous, quoi, hein.
Donc c'est Mike qui raconte des conneries. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit, Mike? Il dit que vous ne parlez pas bien de la mano. Et j'ai jamais... Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que nous, on nous proposait mieux ailleurs. Que quand je vous en ai parlé, vous nous avez dit que vous, que vous en fichiez, etc. Est-ce que vous êtes joueur, monsieur Fabio? Comment ça? C'est vous savoir si vous êtes joueur. Oui, je suis joueur. Nickel. Venez au quartier. Il va vous voir, vous et monsieur Mike. Il y en a un des deux qui ment et qui va être vendu par les couilles. L'autre sera récompensé. Ok, pas de souci, on arrive de suite. Ellie, t'a offert un jeu de Noël. J'ai dit à Mike de venir. Mike dit que ça parle mal de nous, et l'autre dit que c'est Mike qui raconte de la merde. Oh, je vais mettre des coups de clé à molette ou une balle dans la tête d'un des deux, c'est mort ça. Je vais lui planter un couteau dans la colonne vertébrale. Doucement, d'abord on discute. Carquel ? Seigneur gouverneur, bonjour, c'est Miguel. Oui, Miguel. Je vous appelle. Okay. C'est pour savoir si vous pouvez me donner les PPA. Alors, vous le donnez, non, si il Marshall faut... Van Buren, il a dit d'accord. Marshall Van Buren a dit vous étiez d'accord pour... d'accord pour vous donner le PPA. Il a dit vous appelez le gouverneur, il vous donne les PPA et après c'est bon. Après, sinon, ce que vous faites, vous passez votre PPA. Il faut y appeler qui pour les PPA? Il faut appeler le gouverneur. Alors, il faut vous inscrire sur une liste pour passer le PPA, monsieur Miguel. C'est le Marshall qui l'a dit. Oui, alors, le Marshall vous a dit que vous pouviez vous inscrire sur une liste pour le PPA. Ah, il déforme encore les propos. C'est pas possible d'avoir une personne qui, parce qu'il est un agent fédéral, il raconte autant de merde à la minute. Monsieur Van Buren, c'est possible. Il raconte quand même un bon paquet de merde. En fait, vous avez une liste, vous inscrivez dessus, les EMS vous reçoivent, ils vous jugent psychologiquement apte, vous avez le droit d'avoir le PPA. C'est quand même compliqué cette ville. Hein. Il comprend qu'il y a de la criminalité, tout est compliqué, tout est paperasse. Ouais. Bah, c'est le problème, ouais, c'est que effectivement, on aime bien pas la paperasse. Ouais. Quoi que ce soit, attendez, excusez-moi un instant, fermez vos gueules deux secondes. Et on fait comme ça, il vous laisse. Mais... Merci à vous, monsieur le gouverneur. Ceci, monsieur Miguel. N'hésitez pas, il vous prépare une enveloppe, comme vous voulez. Une enveloppe pour... On en parle là. Au revoir, monsieur le gouverneur. Au revoir. Excusez-moi. Bon, on a un petit souci. On a un petit souci, et c'est un petit souci qui m'embête fortement. C'est que d'un côté, il y a une personne qui dit que l'un ne parle pas bien de nous, de l'autre on dit non, c'est l'autre qui ment. Moi, ça me fait perdre du temps c'est de l'argent, et ça me fait chier foncièrement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Attention! Toute personne qui ment, c'est possible, elle est tout. Moi, je vous ai dit la vérité, monsieur le chef. Ouais, explique. J'étais en train de vendre tranquille, donc je faisais de l'argent. Je perdais pas mon temps et tu m'as appelé, donc tu m'as fait perdre mon temps. Et à ce moment-là, tu m'as expliqué que tu t'étais embrouillé avec la mano. Tu m'as clairement dit que tu as commencé par m'expliquer qu'il y en avait qui rachetaient, donc les bagos qui rachetaient les sacs à 80$ alors que la mano c'est 60$ et que c'était la raison pour laquelle tu t'étais avec eux. Okay. Tu m'as dit que de ce que tu avais compris, on travaillait pour rien, qu'on n'avait aucune perspective d'avenir et qu'à leurs yeux on était des merdes. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit que nous c'était le cas. Après, je t'ai même dit, est-ce que toi, c'est... Enfin, toi j'espère que c'est pas le cas ou quoi. Je t'ai juste fait comprendre que c'était le cas. Peut-être, mais peu importe. C'est ce qu'ils nous ont dit. T'insinues qu'on travaille pour rien, qu'on n'a pas de perspective d'avenir. Non, pas du tout. Je t'ai dit, j'espère que toi, c'est pas le cas au cas. En tout cas, nous, nous ont fait comprendre que c'était le cas. Et puis voilà, après, tu m'as même demandé de te présenter les mecs qui prenaient pour 80. Bah oui, c'était pour t'amener à un endroit bien précis. Ouais, c'est ça, ouais. Bah si, c'était justement... Et tu voulais en profiter, toi, aussi, des 80$. Alors, non, j'en ai rien à foutre des 80$. C'est moi qui ai demandé à un mec qui t'amène à un endroit. Donc, sur ça, tu fermes ta gueule maintenant. Enfin, bref, moi, comme je vous ai expliqué, j'ai dit que nous, c'est ce que vous nous avez dit, que vous nous avez fait comprendre ça et tout. Et voilà, quoi. Après, je lui ai dit, soit je sais pas si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, nous, c'est le cas. Et c'est ce que vous nous avez dit. Que tu m'as appelé moi, qui a rien à voir dans l'histoire, pour me raconter ta petite expérience. Et pour moi, j'appelle ça dénigrer le groupe, quand même. Mais non, mais t'es le seul t'es ma seule connaissance, quoi. Jake et Flynn, je sais même plus c'est quoi son prénom, je leur ai parlé qu'une fois dans ma vie, c'est tout. Alors que toi, on avait... Dans tes paroles, tu sous-entends clairement qu'on risque d'être dans le même cas que toi, donc apparemment, travailler pour rien, d'après ce que tu dis. Et j'ai rien sous-entendu, je t'ai même dit, et toi, j'espère que c'est pas le cas. Ça veut tout dire, ça. Tu peux mettre de la pommade là où t'as craché, ça sert à rien.
prends-le comme tu veux. Moi, je voulais juste t'en faire part et tout pour savoir ce que. Si toi aussi c'était le cas, tout simplement. Je vous conseillerais de fermer vos gueules, là maintenant, tout de suite. Ça va, Miguel? Si. Il fait des techniques ancestrales pour pouvoir ouvrir les chakras, sinon il fait une burn-out trop régulier. Et après, il rentre dans une espèce de folie meurtrière où il commence à tuer des gens, à gauche, à droite, il est comme ça, il met coucou-couteau. Et c'est compliqué. Donc, il est juste bon. Ça va aller, Miguel. Je sais juste pas pourquoi, quand on ne demande rien à personne, la moitié de cette ville a décidé qu'on passerait des soirées de merde à devoir décider de tuer la moitié des gens. Ça. Et donc en gros, si je comprends bien, toi t'as rien fait, mais les trois, vous m'avez fait un téléphone arabe. Je pense qu'en fait, là, c'est où je vous dis de dégager tous les trois, basta, où je commence à tuer tout ce qui bouge. Et si je fais voter les membres de la Mano, comme c'est tous des débiles et des psychopathes, ils vont voter pour vous tuer. Ah, clairement, j'ai envie de tuer. T'as qu'un mot à dire. Voilà, c'est ça. C'est un moment donné, et c'est pas possible, je peux pas vous tuer. Pas ce soir, il y a des marshals fédérales en ville, c'est le bordel. Déjà que t'as failli passer, t'as alors Fabio, comment tu viens chercher à augmenter les prix par toi-même. Je pense que tu devrais te faire petit ces prochains jours. Je vais vous laisser une chance. On va parler du principe que rien ne s'est passé ce soir. Montrez-nous votre motivation dans les prochains jours. Et on verra ce qu'on peut faire avec vous, mais n'oubliez pas que c'est pas... Si vous voulez un Disneyland Paris, allez à Disneyland Paris. Ici, c'est un quartier. Notre quartier, nos règles. Mais sachez dans tous les cas que j'ai jamais insulté. Vous pouvez y aller. Ça me fait chier pour Mike, hein, parce que pourtant il était dans la shortlist. Hein. Si, Smoke. Si, comment tu vas? C'est à toi qu'il doit demander, moi ils m'ont libéré. Écoute, je viens de faire 3 heures de fédé. Pour quel motif? Trafic de stupéfiants. Moi, ils se sont pointés chez moi, voiture partout. Le mec, il me dit, vous savez qui je suis? Il voit, il écrit West Marshall dessus. Il fait une blague, il me dit, ferme ta gueule, ça commence pas bien. Il me dit, tu me montes où c'est? Je dis, ah, mais des quoi? Il me dit, me prends pas pour un con, tu me montes, sinon ça passe mal. Il pète tout dans ton quartier. Donc, il a pas le choix, il monte, il a tout fait péter. Et donc, bah, moi, il m'a cassé les couilles, il m'a posé plein de questions. Il a répondu à tout par, si c'est pour la Mano, oui, c'est moi. Pour le reste, je sais pas. Ok, bon, on se voit demain, mais c'est ce qu'il disait à Bozo. Nous, on est là. On va trouver qui c'est qui vous a fait ça. Et on est là pour vous. Ok? Si. Super, Smoke. Repose-toi à demain. Demain. Attends, il faut que je te montre un truc. Ah, t'as pris ceux qui font un peu... Ouais, montre-moi un accident. Bonne idée. Et il y en a deux. Et alors, Claude, ça faisait plus tout terrain, mais dans le nord, tu vois. Et je trouve que ça fait plus street, c'est bien. Ah bah voilà, il vous cherchait, monsieur le gouverneur. Oui. C'est pour m'inscrire sur les listes des PPA. Monsieur Miguel, c'est ça? Si, c'est ça. Enchanté. Oui, enchanté. Vous êtes pas bien là? Non, j'ai des béquilles. J'ai eu un accident. Ah, mince. C'est pour m'inscrire sur les listes des PPA. Oui, ça va. Oui, mais du coup, on va vous mettre sur la liste. Alors, venez, attendez, je vais prendre vos identités et tout, et puis je vais mettre ça. Alors, du coup, pour le PPA, le principe du PPA, effectivement, on va vous inscrire. Les EMS, vous pouvez faire un check. D'accord. Et une fois que c'est fait, le SPD prendra rendez-vous, ou le BCSO prend rendez-vous avec vous, pour faire valider le test. Et à partir de ce moment-là, vous aurez le PPA. Du coup, je vais vous demander votre pièce d'identité. Est-ce que c'est possible? Voici ma carte d'identité. Attendez, je comprends pas, c'est marqué Charles Collins. Si. Vous êtes Charles Collins ou c'est Miguel? Quand il est souvenu aux États-Unis, il me voyait pas dire bonjour, mais bonjour, je m'appelle Miguel. Donc il fait les vos papiers sur lesquels il écrit Charles Collins. Il me suis entraîné à faire une voix. Il est arrivé à l'aéroport, il fait bonjour madame. Dites donc, vous avez une bonne tête, Charles Collins, monsieur. Il a dit merci. Et c'est passé nickel. Nickel, chrome. Bah écoutez, c'est ajouté. Super, il avait passé mon entretien tout de suite. Bonjour monsieur Collins. Eh oui, comment allez-vous? Et ça va bien, et ils sont disponibles, c'est bon. On y va.
Première question, pourquoi vouloir acquérir une arme? Voilà, en tout cas, voici le document de PPA, voici le tampon vert, je vous laisse le plaisir de le tamponner vous-même. Merci, c'est gentil. C'est moi en plus qui vais tamponner mon propre dossier, ça voilà. C'est... Il trouve qu'on se comprend vite entre nous. Des 72 heures à 4 minutes, ça c'est une bonne nouvelle. Merci à vous, docteur. Je vous en prie, je vous raccompagne avec votre... Non, laissez, il y en a pour au moins une heure, c'est pas un souci. Ok. Ah, excusez-moi. Seigneur Davros. Rebonjour, monsieur. Oui, rebonjour, dites-moi. Ouais. Donc, vous allez pouvoir vous rendre donc, au commissariat de l'SPD. Au commissariat de l'SPD, d'accord. Tout à fait, c'est eux qui passent le test physique, je n'en sais pas plus, vous dire... Ok, donc là, moi, j'ai été assigné au LSPD pour passer les PPA. Oh, c'est la merde. C'est ça. Merci, mon père. Je vous en prie, mon fils. Au plaisir. Oh merde, il a accroché, jamais ça passe. Jamais ça passe. Il y avait quand même tantôt un message. Bonjour, j'ai validé mon test psychologique et je dois passer mon test et PPA avec vous cet après-midi. Il tente comme ça. À quelle heure il doit venir? Voilà, impeccable. Il a envoyé un message, ça va encore bien se passer. Ou un appel inconnu. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. LSPD, je vous appelle bonjour, pour monsieur votre message. Si, oui. Si. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas tout bien compris votre message. Ah, d'accord, il vous explique. Il était mis sur la liste pour passer les PPA des permis de port d'armes par le maréchal Van Buren en personne, que je connais, et validé par le gouverneur. Et il est passé un test psychologique qui a été validé apparemment haut la main. Et actuellement, il m'a dit d'appeler les LSPD pour prendre rendez-vous pour pouvoir passer les preuves dans l'après-midi. Ok, bah écoutez, dès que j'ai votre numéro, si dès que j'ai un gradé, je vous rappelle. Ou alors on appelle les BCSO, non? Non, mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. D'accord, super, je suis content. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et comment, votre nom, c'est quoi? C'est Wallace. Wallace. D'accord, à tout à l'heure. Natacha va bien? Je pense qu'elle va bien, oui. Elle fait la gueule encore? Je sais pas. Bon, on voit ça tout à l'heure, officier Wallace. À tout à l'heure. Hola, bonjour. Allô? Moi, je vous entends. Moi, il n'entend pas. Mets-toi sur le côté, il n'entend pas. Ok, on se met sur le côté. Eh, bonjour. Bonjour. Ah, vas-y, bonjour. Et ça va et vous? Ça va et vous? Et petite question, parce que il est où les LSPD? Il est passé les tests psychologiques pour les PPA. Mmh. Et on m'a dit de contacter directement pour passer les dernières étapes. Mais les LSPD m'a dit qu'il n'a pas de gradé, qu'eux, ils leur font un gradé. J'ai pas tout compris. Il m'a dit, voyez avec les BCSO. Venez au bureau. Si. Et un de mes collègues va s'occuper de ça. Eh ben, impeccable, pas de soucis. Il arrive au bureau. On arrive. Ok, ça marche. À tout de suite. À toutes. Bon, alors, du coup, je viens d'avoir monsieur le lieutenant Prigent, je sais pas si vous connaissez. Oh, LSPD. Non, il connaît, il est pas l'honneur de connaître cette personne. Bon, du coup, j'ai eu le lieutenant Prigent et monsieur le gouverneur. Il m'a dit que c'était bien le LSPD qui s'occupait de votre dossier. Donc, faudra voir avec lui. Si vous voulez, je peux vous donner le numéro du lieutenant Prigent. Non, du parier des sous, Miguel. Il vous écoute. Alors, le lieutenant Prigent 555. Comment vous êtes, lieutenant P? C'est lui, ça 55 42 97. Il est sans que, de toute façon, pour me faire chier, il va me faire passer mon PPDA dans 10 ans. Bonjour, lieutenant Prigent. Bonjour, vous êtes? Je suis Charles Collins. Bonjour, monsieur Collins. Je ne vous dérange pas longtemps, c'est que je cherche une solution avec les gouverneurs pour pouvoir les passer les PPA. Ah, vas-y. Vous avez envoyé un message, je crois, tout à l'heure, non? Il a envoyé un message, il m'a rappelé l'officier pour me dire, en fait, chez nous, c'est compliqué, voyez avec les BCSO, je vois avec les BCSO qui dit non, il nous faut le papier. J'appelle le gouverneur qui me dit, mais est-ce que les LSPD peuvent recevoir tout de suite? Il dit, je ne sais pas, il n'y a pas réussi à avoir les prisons. Puis après, le gouverneur dit, attendez, il appelle les BCSO, il voit avec les LSPD, et machin. Il dit, je suis d'accord, mais au moins, c'est pas la préfecture. C'est quoi, il veut juste me dire, c'est bon, vous venez. Les BCSO me disent, nous, vous le faites passer tout de suite. Il dit, d'accord. Il me dit, mais il nous faut que le lieutenant Prigent envoie un papier au gouverneur qui valide, qu'il envoie une photocopie. Et moi, à un moment donné, ça fume dans ma tête. Ça fume. Il faut qu'une personne habilitée pour le PPA puisse vous le faire passer. Pour le PPA, comment ça se passe en gros? C'est que dès que nous, on a des disponibilités au niveau des créneaux, on vous fait passer votre PPA. Donc en gros, il y a une liste d'attente et il faut attendre que cette liste soit purgée pour vous le faire passer. Et c'est pareil du côté du BCS.
Mais non, les BCSO me disent, on vous le fait passer tout de suite, on est disponible, il nous manque juste le papier, au pire, les SPD dit go, nous on s'en charge, on est disponible. Bah je pense qu'ils ont du mal vous expliquer la chose. Bah non, il y a eu les chefs, les grands chefs des... C'était qui le chef du BCSO? Oh bah il y avait plein de chefs. Il y avait plein. Ah ouais, il y avait plein de chefs, chef machin, chef bidule, chef, il y a trois chefs au moins, et tous ouais. Les chefs. Et après, il y a eu les gouverneurs qui disent d'accord. Mais quel chef? Mais je sais pas, Gorba chef. Bah écoutez, je vais voir avec le BCSO, mais on va voir comment farmer, ça se passe, ouais. Mais normalement... Chef Farmer. C'est Farmer, il est devant vous là, le monsieur mais Farmer. Mais si, chef Farmer devant moi. Ok, je vais voir avec monsieur Farmer mais ouais, directement, mais si. Normalement, il faut que vous le passiez ici, quoi. Si, on a une notification pour le passer ici. Il est compris, il doit venir au SPD, il doit attendre sous liste d'attente. C'est ça. D'accord, merci lieutenant Prigent. Pas de problème. Lieutenant Reynolds. Monsieur Rodriguez, bonjour, vous avez essayé de me contacter? Si, mais c'est pas la peine, je crois que c'est terminé, il n'y a plus envie de discuter avec les LSPD. D'accord, je fais appel directement au Marshall ou au BCSO, des gens qui ont envie de discuter. Il va vous mettre sous liste d'attente les LSPD, vous poserez vos questions et puis c'est tout. D'accord, je peux savoir ce qui s'est passé? Je suis pas courant. Comme d'habitude, avec les LSPD, c'est compliqué, c'est... Jamais rien n'est possible, c'est... une complexité folle. C'est-à-dire qu'il y a un certain lieutenant Prigent m'a mis sur une liste d'attente qui va durer des jours alors qu'on pouvait faire ça tout de suite avec des gens disponibles. Ouais, c'est comme quand j'essaye d'avoir quelqu'un où elle est speedy. C'est compliqué. Mais c'est pas grave, il y a toujours une sécurité privée, ça va marcher. Sécurité privée? Si, et faire appel à une sécurité privée vu qu'on ne peut pas appeler la police. Ah bah, il y a un répondeur pour ça, si vous avez besoin de la police en urgence. Les LSPD filtrent, en fait. Ils vont que là où ils veulent. C'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez, hein. C'est vous, la police, c'est pas nous. Moi, il vient juste de perdre mon après-midi. Je suis très content. Donc, moi, je pense que simplement, dans le fait qu'il n'y a jamais personne qui répond aux LSPD, l'incapacité de négocier ou de discuter avec les LSPD, et en plus, le fait que c'est jamais vous, les problèmes, et que ça vous intéresse pas... C'est simplement, c'est pas grave, il n'y aurait plus besoin des LSPD. Bah, croyez certain que moi, ça me gêne, quoi. J'aurais préféré qu'on me dise c'est non, vous n'allez pas, plutôt que langue de bois. Bref, c'est pas grave, c'est comme d'habitude. Moi, il y a un jour, peut-être que vous aurez une opportunité. Et dans ces moments-là, dès que vous êtes en capacité de faire le ménage chez vous, de faire les discussions en plein mois, ça sera avec plaisir. Entre-temps, il n'y a plus rien à dire aux LSPD. Vraiment. C'est que des emmerdes et LSPD. Tu as compris que là, c'est ta vie que tu joues. Combien vaut ta vie? Miguel. Si? 1500 en commande aujourd'hui, on a fait. C'est bien. Putain, ça voit du cul. Deux blanchiments, potentiellement trois ce soir. C'est bien ça. Ça, c'est ça que je veux, ça. C'est bon, ça. C'est la meilleure journée de la mano. Hein. Ah, là, par contre, c'est vraiment... Ça me nique ta mère. C'est bien, ça. Une bonne nouvelle. Ah oui, je t'avais demandé une bonne nouvelle, tu me dis nique ta mère. Mais non, pas toi. Ah ouais. Non, c'est pour... Ça nique des mères, toi. C'est... Ouais. Hola. Bonjour. Je vous explique. Vous allez devoir aller dans les pâtés de maison du commissariat des polices. Sur place des cubes. Vous voyez où c'est place des cubes? 80-53. 80-53. Okay. Là-bas, 54. Vous volez une véhicule et vous allez le plus vite possible en 90-72. Le premier qui arrive gagne une blouson. Le deuxième ne veut pas être le deuxième. Vraiment pas. Partez. Oh, j'aime beaucoup. Si, t'as vu, c'est bien ça. J'aime beaucoup. Il faut y aller vite, il faut y aller vite, il faut y aller vite. Mais pour le coup, tout à l'heure, c'est il qui gagne? C'est qui fout un demi-tour comme un con qui sait pas où il va? Ouais, le deuxième. C'est Charlie, je crois. C'est Charlie. Ah, c'est Charlie. Et où est Milo? Milo arrive! Oh. il fallait faire vite. Milo, t'as pas l'air bien? Ouais. Disons que j'ai embouti mon 4x4 dans une voiture de flic. Ah ouais, je comment? Je faisais le tour de la place carrée, ils étaient au point de la rue, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris cette. Et ils te cherchent là? Bah non, j'ai pas l'impression. T'as embouti ton 4x4 qui est à ton nom? Ouais.
Et donc ils ont la plaque, comment tu t'appelles? Ouais, j'ai laissé ma moto sur place si tu veux. Donc, ok, super. C'est... T'avoue, Ellie, c'est à la fois la meilleure idée qu'il y a mis où et la pire. Bon, on ira chercher vos véhicules après, n'inquiète pas. Bienvenue dans la mano. Bienvenue à la mano pour Los Dos. Bienvenue. Bienvenue. Ce soir, vous allez gagner un blouson, mais aussi une famille. Et des tatouages aussi. Parce que c'est important, c'est une rite de passage. Je veux pas. Ça, la mienne, elle est 100. 200. Elle a les niais. 48, tu m'as dit. Oui, c'est ça. On peut en faire sur le crâne ou pas? Si, il croit que tu peux faire une tête de mort. C'est stylé. Tout le visage, moi. Ouais, tout le visage, c'est stylé. Ouais, j'aime trop. Le dernier, il était beau. Je l'avais proposé à Ellie, elle avait dit, ouais, c'est moche. Mais si tu veux, tu le mets. Lequel? Tout le visage. Celui qui parle dessus le visage. Non, mais t'es sérieux, tu vas faire un médecin. Comme ça, dès que je vais mettre des coups de pression, bim. Mais moi, je suis beau, les gars. Moi, plus vous avez l'air méchant, mieux c'est pour les business. Par contre, j'aurais pu l'araigner sur la tête, quoi. Ah oui, putain. Vas-y, tu sais quoi, on va tester. C'est trop bien. Go, c'est parti. Y'a même fou. C'est stylé. Tous ceux qui veulent là, allez, fais ça. Moi, plus vous faites peur, mieux c'est. Il va les garder. Ça, c'est Pablo, c'est mon homme, ça. C'est la mano. On n'est pas là pour être gentil. C'est vraiment les tatouages d'ici. À chaque fois que tu fais un tatouage, ils te fous à poil, c'est débile. Ça me rappelle une histoire que mon oncle m'a racontée. Elle était faire une coloscopie, le docteur lui a dit que c'était normal d'avoir une érection. Alors que mon oncle, il a jamais eu d'érection. Le docteur a dit non, 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 c'est moi. Quoi? Miguel, si tu m'entends, il y a le père Dragibus là, il veut te parler. Et qu'est-ce qu'il me veut? Je sais pas, il m'a dit qu'il voulait te voir ce soir. Et il appelle. Oui, bonsoir, monsieur Miguel. Père Davros, il paraît que vous voulez me voir. Oui, mais vous voir, c'est beaucoup mieux que le téléphone. Voilà, ça va être compliqué ce soir, c'est un peu blindé, mais si vous venez chez moi, c'est possible. Ah bah écoutez, je viendrai prendre le café tout à l'heure, dès que j'aurai un petit peu de temps, entre deux interventions. Pas de soucis, par contre, il y a une note, c'est ce qu'il a dit. Il y a une note où va la fidélité des gens, et la vôtre, elle est bonne. C'est parfait, justement, on parlera de tout ça. Impeccable. À tout à l'heure, mon ami. Comment ça va? Vous avez avancé ou pas sur l'histoire de la taupe? Histoire de la taupe. C'est sûr qu'au vu des informations qu'ils avaient, il y a une personne qui a bavé. Ils avaient beaucoup trop d'informations sur vous, sur les lots, sur nous, sur les champs, sur les transferts, sur les... Ils avaient un gros dossier. Donc moi, ils savaient, ils avaient beaucoup d'infos depuis longtemps. Moi je pense que... je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais il y a un type qui nous a mis un couteau dans le dos il y a quelques mois. Qui en fait a décidé de plus vouloir faire partie de la street. Et qui du jour au lendemain, entre guillemets, s'est barré. Et je sais que ce type là, il nous avait dit comme quoi, pour pas qu'on le bute, il avait mis une lettre au bureau du procureur. En donnant toutes les infos qu'il a sur nous, sur les Lost, sur tout, tu vois. Ben Davros. Bonsoir mon fils, si. Vous allez bien? Et ça va bien, il n'aurait pas pu savoir que c'est vous, parce que vous avez un casque. Oui. Vous voulez pas être vous dans le quartier? Oh, disons que parfois il vaut mieux discuter tranquillement sans vouloir être vu. On peut se parler seul à seul? Oui, c'est possible, c'est possible. Je vous écoute. C'était concernant notre relation, on va dire, particulière. Tenez, je vous offre le café. Merci. Je vais enlever mon casque, si vous permettez. Ah si, vous pouvez, sauf si vous avez pas le temps, vous voyez ici, vous voulez garder le casque. Oh, c'est pour prendre le café, c'est quand même plus facile. Déjà, je voulais être très clair avec vous. Je pense que vous l'avez compris. Vous êtes assez intelligent pour ça. Bien sûr que je vous ai complètement laissé accorder ce PPA. Je m'en fous des marshals. Quand je dis je m'en fous, c'est pas que je m'en fous, mais... Vous pouvez être le patron de la mano, vous pouvez être le gouverneur, etc. Moi, encore une fois, toute cette ville ne m'intéresse pas, sauf les EMS. C'est mon quartier. Ma loyauté, vous l'avez comme toutes les personnes de cette ville. Et comme vous êtes un chef, comme moi, je vous respecte. Plus jamais, s'il vous plaît, un petit coup de pression comme vous m'avez fait. Il suffit de parler, mais il faut choisir le lieu. Ici, on est tranquille, on est chez vous. Aux EMS, quand je, dans le même temps, j'ai le gouverneur qui me fait pression, c'est plus compliqué de parler d'homme à homme. Vous comprenez? Concernant les gouverneurs, pour moi, c'était une façon de tester les qui avaient envie de discuter. Vous avez envie de discuter, vous avez envie de négocier.
Par contre, tu sais que le gouverneur, il m'a dit des conneries et que lui, il veut pas qu'il y ait les PPA. Il va bloquer là. Il ne pourrait jamais le passer. Il vous a mis un coup de pression, mais concernant ? Alors, moi, première chose, vous n'avez pas de casier. Deuxième chose, toutes les réponses que vous m'avez données, je n'ai rien à dire contre ces réponses. Je ne cherche pas à savoir si vous êtes manipulateur, comédien, extrêmement intelligent, ou si vous étiez sincère. Moi, je suis là pour écouter les réponses et vous les accorder, si elles sont bonnes ou pas. Je ne juge pas, Dieu jugera en son temps. Et qu'est-ce qui vous a dit les gouverneurs ? Que je pouvais éventuellement à l'avenir faire traîner plus longtemps les PPA. Bingo ! C'est exactement ce que j'ai pensé. Donc, c'est une bonne chose qu'il ait mis en place, comme quoi je suis lucide. Vous êtes quelqu'un de plus intéressant que je pensais, monsieur Miguel. Je commence à mieux comprendre l'être et je l'apprécie énormément. Vous jouez aux échecs ? Non. Il y a déjà toute ma vie à gérer. Jouer aux échecs, c'est pas le temps. C'est dommage. Ou si vous jouez aux cartes à l'occasion d'une soirée poker, n'hésitez pas à m'inviter. Ou une balade. Ce sera avec plaisir. C'est bien une balade. Ah, avec tout atout et sans atout alors. Hein. Parce que je suis sûr que vous aimez avoir tous les atouts dans votre jeu. Si, toujours. On pourra faire une quench. Ça fait fort longtemps. Vous me tentez, vil démon, si je puis dire. Si. C'est bien que vous soyez patient, donc, à mon père. Et vous ne tiens pas plus, vous êtes dans un quartier qui est compliqué. Oui, j'imagine. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous en prie. Et puis, à notre partenariat. Pas de soucis. Bon courage à vous, bonne soirée. T'as vu, putain, Miguel, il faut avoir parlé sur la discussion. Il y a un sac de boisson. Oui, j'ai vu, je sais pas. Aussi. Voilà, je vais à la maison. Pareil, il faut avoir un manger. Moi, je vais rechercher, bougez pas. C'est ça, donc, la famille dont tu parlais, Miguel. Si, c'est une bonne famille. Mike, il a un problème, il s'est fait suivre par des voitures. Il vient de m'appeler pour me prévenir qu'il avait des mecs dans une voiture casquée et tout qui suivaient et tout. Donc j'ai dit qu'il passe devant le quartier. Comme ça, si on a un souci, on les top. Et il est où? Moi, on les top, c'est rigolo ça. Moi, je vais au quartier. J'ai un véhicule. 93, ça passe devant moi. Ça va louer direction sud-est. Putain! J'ai un véhicule au niveau de l'amélioration à Little Seoul. Véhicule noir sportif. Je me rapproche. Casqué, débat casqué. Vas-y, j'arrive. Tombe dessus. Oh putain, oh bah Miguel, tu vas bien aimer. C'est qui? C'est Fabio et l'autre trou du clin. Vous avez pas compris hier ou quoi? Qu'est-ce que vous foutez encore? Faut répondre maintenant. Bah, je vais vous dire la vérité. On voulait attraper le mec qui a poucave Fabio pour savoir pourquoi il avait poucave, c'est tout. Il vous a pas dit un truc hier? Il vous a pas dit, il veut plus entendre parler de vos conneries? Mais, maintenant, prouvez votre valeur? Et vous m'avez dit, oui monsieur! Mais vous préférez, vous, les choper pour vous venger? On voulait pas se venger, on voulait juste savoir pourquoi est-ce qu'il nous a poucave alors qu'on lui a rien fait de mal, je lui ai même donné de l'argent juste avant. En étant casqué? Ouais, alors le suivant en étant casqué? Bah oui, on voulait l'attraper pour savoir pourquoi elle est poucave, oui, on est avec vous. Touche une petite main à la mano, tu t'en fais à la mano maintenant. Il était plutôt gentil, hein, non? Oui. C'est pour ça qu'on voulait pas vous mêler à ça, quoi. Mais si, à partir du moment où il est plein puits, il dit il veut plus des problèmes entre vous trois, il veut vous bosser. Et là, il y a Véronique et Davina, qu'est-ce qu'ils font? Des conneries! Pourquoi il passe, moi? Il peut pas vous laisser Valdel comme ça? C'est pas possible! Je savais pas que c'était un de chez vous. Ah bon, t'es con quoi? T'es con? Tu viens de nous dire que tu voulais le choper pour. Je savais pas qu'il était de la mano, mec. Je savais pas qu'il était. Ta gueule. Hier, il était où? Avec qui? Mais je sais qu'il travaillait avec vous, mais je savais pas que c'était quelqu'un de la mano quoi. Et alors? Il bosse pour nous, ça nous impacte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé de vous punir et de vous découper? Ou est-ce que vous avez une idée des Yeni ou Nifi qui permet de vous sortir de là? Avez-vous une proposition intéressante à me faire? Je vous écoute. Vous me le ramenez, on fait un 1v1, je règle son compte. C'est sérieux? Non mais en fait je crois que t'as pas compris. Non, attends, c'est quoi? Je vais te faire comprendre un truc. Mais c'est pas moi qui... Il va faire une chose qu'il a fait allemand parce qu'il considérait beaucoup ton frère. Et que c'était un ami. Il va faire une chose très très rare.
vous n'allez pas mourir. Pero, c'est la dernière fois que vous foutez de la gueule de la mano. Et surtout, vous allez attraper ça. Je veux que vous turbinez, que vous ramenez un maximum de sacs pour attraper vos conneries. Est-ce que c'est possible ça, monsieur Denis? Oui, on va faire notre mieux. Tu vas pouvoir appeler le médecin pour dire qu'il a glissé contre une barre en métal. Et il peut te dire tout de suite que ça ne sert à rien de vouloir te venger, kidnapper ou taper. Tu finis dans un cercueil ou dans l'eau. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Oui, oui. Tu sais ce qu'on va faire aussi? T'as jusqu'à demain soir pour nous ramener 500 sacs. Sinon, c'est moi qui te mets une barre dans la tête, tu me la ramènes pas. Ok, ok. Voilà, t'as demain, jusqu'à demain minuit. Je te laisse du temps. Ça marche. Voilà, bonne soirée. Quand même triste de devoir endommager ton pote pour que tu coopères. Il y a le père Davos qui est passé hier, pour me donner des infos d'ailleurs sur ce qui s'était passé. Il m'a dit que le SMS avait été visé par un straighter bleu, avec 4 bonhommes dedans. Je lui ai dit que ça colle peut-être avec les 3 types que j'ai vus dans une voiture noire qui m'ont tiré dessus, mais... En fait, qu'est-ce que c'est ça? Moi il veut péter une plomb là, Pablo il veut péter une plomb. C'est Davos. Mais il m'en fout, pourquoi il a une limousine? Mais c'est pas une Disneyland Paris, putain de merde! Bonjour mon père! Comment allez-vous? Mais ça va, c'est un vendredi! Je vous emmène faire un tour? Ah mais y'a pas le temps en fait, c'est pas la... Non, y'a pas le temps, j'ai bien dit, mais c'est pas le temps ça! J'ai besoin de vous parler quelques minutes. Y'a intérêt que ça soit important. Vraiment. C'est assez important, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Super. Charlie, conduis! Super, j'ai jamais conduit une limousine, c'est bah trop voilà, cool. Comme ça t'es contente, c'était un cadeau! Oui, merci! Je sais, Charlie. Est-ce que votre. Pablo vous a averti pour la Strider bleue? Si, mais c'est une information qui sert à rien. On n'a pas des plaques d'immatriculation, on ne sait pas la gueule des mecs. C'est. Moi, je veux bien, mais. J'ai un nom. Ou non? Allez, je vous écoute. Tanti. Monsieur Kenzo Tanti, ça serait une des personnes qui aurait été aperçue à bord de cette voiture qui s'est permis de s'attaquer à une ambulance. Kenzo Tanti. Fiabilité de l'information? Sur 100%? 50-60%. Mon père, c'est pas une putain d'information, 50% c'est une loterie. Peut-être, mais je pense qu'une loterie peut valoir un petit entretien éventuellement et un petit message à monsieur Tanti, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur dans la vie, Kenzo Tanti? Je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a vu traîner aux alentours du Black Cat, entre autres, et il a menacé l'ancienne directrice des EMS, qui est une amie proche. Mm-hmm. Et donc, avec cette voiture bleue. Et cette voiture bleue qui a ensuite donc essayé de défoncer plusieurs voitures en ville, y compris une ambulance en intervention. Je pense que monsieur Tanti a peut-être besoin que plusieurs personnes lui parlent peut-être et lui faire comprendre que s'attaquer aux EMS, c'est s'attaquer à toute la ville. Ah, c'est une demande que vous me faites de choper cette personne, d'accord, et croyez que vous vouliez les choper vous-même? Non, voyons. D'accord, pas de soucis. Je n'ai pas le temps, je suis occupé à vous Charlie, soigner en général. Tu peux t'arrêter là sur les gauches, là, juste à la gauche. C'est pour que mon père puisse penser au frais fixe de la mano par rapport à ce qu'il nous demande. Oh, je suis déjà là pour intervenir en cas de besoin. Il et puis, ça me fait plaisir pour votre PPA. Il disait, il vous déposera un instant le temps que vous preniez les frais fixes pour ce que vous nous demandez. Enlèvement, séquestration. Oh non, pas d'enlèvement de séquestration. Si vous m'avez dit, il faut le faire comprendre. Il y a des frais fixes à faire ça, ça veut dire que s'ils envoient du monde faire ça, ils font pas autre chose. Je comprends. Il veut bien que c'est important de travailler, mais retournez pas la situation, mon père. Oh, il s'agit pas de retourner, il s'agit de remettre un petit peu... Ferme ta gueule! Je te parle! Il va falloir que tu commences à comprendre qu'il ne suis pas ton copain! Que tu te comportes comme un chef de gang! Tu une seringue, un scalpel, une pistolet, une osi. Donc quand tu me demandes d'enlever un homme, tu payes. C'est pas un Disneyland Paris. Combien? C'est 100 000. C'est pas dans mes moyens malheureusement. Dommage. J'aurais aimé vous rendre l'ascenseur plus tard, d'autre manière. Je peux comprendre. À la maison. D'accord. Imbégable. Bon après-midi. Bon après-midi. Bientôt, mon fils. Bonjour, monsieur Miguel. Hola, monsieur Diouf, comment ça va? Ah, très bien, et vous-même? Si, ça va bien. Il fallait que vous avez recruté des gens verts, c'est bien? Ouais, enfin, pas beaucoup, hein, un petit peu là, ça commence. Vous faites du maïs?
Ouais, ça, c'est, écoutez, ça travaille, hein, on essaye. Hein. Mais c'est surtout de les faire avoir de bonnes mentalités. Ça, c'est pas facile. Il y a des gens qui se sont cachés chez vous. Ah bon, comment ça? Deux à trois personnes qui ont tiré sur la plupart des gens. Ah, ouais. Il y a ou trois jours qui sont cachés au sein des bâtiments chez vous. Ce qui fait que l'ensemble s'est dit... Il faut niquer Monsieur Diouf, c'est lui qui nous la fout à l'envers. Moi, je pense que c'est pas quelqu'un de chez vous, faut être un débile pour aller se mettre dans son propre quartier. En effet. Ouais. C'est justement, c'était pour ça là-bas que je venais vous voir. C'est parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des mecs qui s'étaient déguisés en vert et qui étaient venus se réfugier chez nous, qui avaient calaché tous les quartiers environnants. Du coup, j'étais en mode, ouais, c'est quoi ce genre de fils de pute là qui prend mes couleurs pour casser mon travail là, tout ce que je fais durement. C'est dur à avoir l'honneur sur la street. J'imagine. Des mecs comme ça là, terroristes. Et vous donner un petit conseil, monsieur Diouf, ne faites pas les erreurs que font beaucoup de gens. De ne plus savoir si vous êtes une personne de la rue ou une personne de politique. Une personne de la rue, elle sait ce qu'elle fait. Il vend divers services, il vend de la drogue, il vend des armes. Il permet à des personnes de se rencontrer. Et si la police me demande, c'est exactement ce qu'il leur dit. Le politicien, lui, va avoir tendance à pipoter et à raconter des choses. Il a monté un groupe écolo, il a monté un groupe politique, il nettoie les rues, il essaye de me camoufler. Mais le pipeau est tellement visible que c'est pire. Ah non, ça on le fait vraiment, hein. Sinon ça n'aura aucun sens. Je suis d'accord avec vous. Hein. Moi justement, c'est parce que je suis de la street que je veux monter ce groupe également, puis faire mes petites affaires par derrière, que je mets tout ça en place. Mais le principe écologique est vraiment mis en œuvre, hein. On roule tous à vélo. Alors peut-être que... Il faut éviter de passer plus de temps avec la police que dans votre quartier, non? Ah, mais ça à côté, c'est justement. C'est ce que j'expliquais à RGB, là, c'est un vagos. Je vais expliquer clairement que moi, si je parle souvent avec la police, c'est pour me les mettre dans ma poche. Comme ça, au moins, ils me font pas de problème, ils me fouillent pas, ils cassent pas les couilles. C'est un choix stratégique. Peut-être pas les bons, mais. Non, ça va, hormis des gens qui se mettent à nous tirer dessus sans raison. Ouais, j'ai eu le cas hier aussi. Seigneur, ils sont passés chez toi? Ah, tranquille. Ouais, ils ont passé faire chier tout le monde, c'est toujours les mêmes, je pense. Et il y a un nom à propos de ça, mais. Ouais. Ça, c'est un certain Kenzo Tanti. Ouais, c'est l'information de merde, hein, oui. Voilà. Il bosse pour toi, les Kenzo Tanti? Ouais. Voilà. Et il veut pas faire de vagues, donc ça m'étonnerait qu'il s'amuse à tirer sur tout le monde. Qui apparemment aurait tiré sur les médecins, puis il aurait tiré sur des groupes, puis. Donc, c'est des conneries. C'est... Il a fait quoi que tu lui as mis un tatouage comme ça sur les gueules? Ah non, c'est lui qui a voulu! Il fait flipper comme ça, non? Bah, ça fait traître en fait. Moi, les traîtres, je leur mets ce tatouage-là. Ah bon? Ah bah non. Ouais. Non, pas chez nous. Nous, c'est un honneur. Ah bah putain, on n'a pas la même signification. Non. C'est... Tu veux voir ce qu'il te fait, le traître, ou pas? Non, calme-toi, Pablo. Ça, il aime son tatouage. C'est lui qui a décidé, hein, comme un grand. Ça peut s'arranger. Hein. Moi, je vais déposer ça. On fait un V1. Oh putain, ça y est, on va faire une Fight Club. Si vous voulez, moi, je m'en fous. Hein. Tu cherches pas une deuxième 4x4 Non, c'est pas les mêmes d'ailleurs, si. Non, c'est pas les mêmes. C'est un 4 places que t'as? Ouais. Tu le vends combien? Je sais pas. Il va aller voir au Bénis, il est pareil, il va lui demander comment ça vaut neuf. T'as fini de décharger? Ouais. Ok, il est rapide. Il t'appelle tout à l'heure. Ah, t'es pas un traître, j'ai pas dit ça, attention. J'ai dit que chez moi, c'est les traîtres qui ont ça. Après, chez vous, c'est autre chose. Ça marche. Ok, on se rappelle. Allez, à plus, les gars. Il t'appelle tout à l'heure. Combien ça vaut? Je sais plus. Je vais remettre du trap dans sa gueule. Pablo, fais attention comment tu parles. C'est les chefs de Lost. Ouais, bon, bah les couilles. Non, tu t'en parles pas les couilles. Je sais. Des fois, tout le monde. Je sais, des fois, tout le monde dans les tours. Allô? Si, t'as des anges? Non. Non. Il est fini par l'avoir, c'est compliqué. Un mec du Bénis, il voulait savoir ce qu'il y avait sur le 4x4. Donc, il est full custom perf, moteur 4 front. 3, transmis 3, suspension 2, turbo. Il y en a pour, 113 000 dollars. Moi, je cherche à me débarrasser d'une bagnole, t'en veux une? C'est quoi, tu veux débarrasser? Dominator GTX. Ah non, il y a une idée de ce que je vais acheter, mais... Bah, attends, il paye le monsieur, il t'appelle. Vas-y. Tu cherches pas une bécane, une BF400, un truc comme ça? Une BF400, ça peut m'intéresser, tout dépend du prix, et que comprendre que c'est complètement dingue ici, les BF400. Ah non, on s'arrange, moi je te file la BF400 pour faire baisser le prix du 4x4. Moi, tu veux 80, je te file la BF et 50 000. Vendu. J'arrive avec la BF chez toi si tu veux. La BF plus 50 000, vendu. Si, Smoke. Si, Hermano. Si on chope des catégories 3, le truc c'est qu'on va être suspecté. Est-ce que tu m'héberges les catégories 3? Je t'en laisse une, j'en garde deux. Oui, c'est possible.
porter? Oui, si, c'est possible. Tu me parles bien des mitraillettes. Ah ouais. T'as pas peur qu'en faisant ça, les boss, ils décident de pas te redonner un business tout de suite? Dans tous les cas, ils me le redonneront pas tout de suite. Je pense pas. En fait, il était dit, mais... Oui, donne-moi ton avis, hein, Miguel. Mon avis, il est que tu m'as dit que ton boss, il rigole pas. Et que la dernière fois, il a dit à des gens de faire des soupérettes pour prouver la valeur. Si tu... Il comprend que tu sois en colère, il t'a embrouillé ton champ. Mais si tu fais maintenant, deux jours après, tu attrapes la police pour leur prendre les armes de catégorie 3, c'est tout de suite que c'est les vagos qui vont prendre. Et si ça fait trop de bruit, le risque, c'est si le boss, il pète un plan. Pour vous, les vagos, c'est fini, plus les business. Il y a envie d'avoir une arme et des mitraillettes. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense pas. Je pense que c'est une énorme connerie que vous allez faire. Ouais, c'est possible. Je te rappelle. Vous vivez avec les émotions là. Attention, pensez oui, au business. Si, je te rappelle. Oh, fatigué de te donner là. Si. Allo Miguel de la Mano? Si, c'est moi. Si, je suis Rico, associé de Kenzo. Nous nous sommes rencontrés brièvement il y a quelques jours. On est venu rendre visite. Ah, si. Si, c'est moi. Si. Je me posais des questions. Là, les Lost m'ont un peu fait un topo sur la FQ2 Bleu Nuit qui a foutu la merde et qui serait recherchée peut-être par vous, par les Vagos ou autre. Est-ce que... Si, c'est vrai? Parle-nous, on cherche la voiture. D'après certaines personnes, c'est Monsieur Kenzo. J'ai 5 encore. Si, c'est ça, c'est pour ça que j'appelle, parce que chez nous, effectivement, on a un FQ de Bleu Nuit, la description du véhicule qui, apparemment, cette nuit, aurait tiré sur des gens, je sais pas. Je suis de... Et ouais, que moi, tout de suite, je viens voir, je viens essayer d'en apprendre de plus, parce que je suis convaincu que ce n'est pas Kenzo qui est parti se coucher avant moi hier, et qu'on ne se connaît pas très bien, mais ceux qui nous connaissent savent que ce ne sont pas nos méthodes du tout, on n'a aucun intérêt à faire ça. Et il faut que vous voyez, je pense que le père d'Avros, c'est lui qui n'arrête pas de dire que c'est il a vu de lui-même, de sa vue, Kenzo. D'accord, très bien, il merci. Il a demandé de l'enlever. Monsieur Terrell nous a dit non, ça va aller. Il n'y a pas de soucis, ils sont une bonne personne en affaires. Ok, très bien. Eh bien, merci Miguel pour cette info. Si jamais il y a un problème avec un FQ de bleu ou n'importe quoi nous concernant, faut pas hésiter à appeler. Pas de soucis, j'en suis sûr que vous nous envoyez l'ascenseur bientôt. Bien sûr. Votre nom, c'est quoi déjà? Si, nous c'est le syndicat, nous sommes radio, le LK Syndicate. R et K. Si, et qu'est-ce que ça veut dire, LK? RK, c'est tout simplement, c'est tout simplement Rico et Kenzo. On n'est pas les plus inspirés de la vie, mais et on a pris. Pourquoi un syndicate? Parce que nous sommes un syndicat, nous sommes une association, on fait du business. Une association. On s'est associé pour faire le business. Nous sommes deux et nous recrutons petit à petit pour pérenniser notre affaire. Si? J'ai mal à la tête aujourd'hui, d'accord. Et vous, votre prénom, c'est Rico? Et moi, c'est Rico. Allez, il est Rico Syndicat. Super, merci, au revoir. Super, à bientôt, au revoir. Oh, ils vont me tuer, il y a un peu plus, c'est pas possible. Alors, j'ai vu les shérifs tout à l'heure. Si, mais pourquoi ils nous appellent, nous? En gros, il a dit il veut parlementer avec eux, sauf que lui, s'il va, il va s'énerver, donc il veut passer par toi pour parlementer avec les Vagos, qu'ils arrêtent de taper les shérifs. Parce qu'il sait que c'est eux, apparemment. Allô? Et bonsoir. Si, bonsoir, bienvenue des Mano RH et Consulting. Miguel, à votre écoute, j'écoute. Je veux juste déjà prendre un premier contact, parce que j'ai été relativement absent ces derniers temps, et du coup, j'ai pas eu le temps de prendre contact avec vous. Je suis un homme de la communication. Donc, s'il y a des problèmes, j'aime qu'on en parle. Je suis pas là pour tirer sur les gens et pour leur dire de la fermer, au contraire. Mm-hmm. Donc si un jour j'ai un problème avec quelqu'un qui serait de chez vous, je vous appelle. Si un jour vous avez un problème avec quelqu'un qui vient de chez moi, vous m'appelez. Mmh. Et on discute. Mmh. C'est ce que j'essaie de mettre en place avec tous les gens de votre milieu, on va dire, en ville. Parce que je veux pas que les choses se passent mal. Même si on fait forcément des métiers qui vont un peu l'un contre l'autre. Je pense que ça empêche pas de faire les choses intelligemment. D'après ce que j'ai compris, vous étiez un peu... en bonne entente avec les Vagos, donc je voulais juste prévenir que là actuellement j'ai un problème avec les Vagos, pas avec la Mano, si je me trompe pas. Si jamais je dois, et ça risque d'arriver, descendre pour aller m'occuper des Vagos, je vous préviendrai juste avant que si jamais vous êtes dans le quartier, vous éloignez un petit peu. Je suis pas là pour taper sur tout le monde quand je descends. Je viens chercher des gens et je remonte justement avec ces gens-là.
Ok, donc ce soir c'est le bol d'aller chez les Vagos. Là ils me cherchent clairement des emmerdes. J'ai déjà prévenu les Vagos que s'ils avaient des problèmes avec le SPD, ça gère avec le SPD. Mais ils sont grands, ils sont suffisamment grands pour se défendre tout seul. À partir du moment où on attaque mes hommes, là ça me posera un problème. Et là ils attaquent mes hommes. Il y a eu des coups de feu sur mes unités, il y a eu des guet-apens. C'est pas quelque chose que je peux laisser passer. C'est pas bon pour le business, les guet-apens à la police. Ouais, je pense que ça va pas être bon pour leur business, ouais, on est d'accord. Non, parce que c'est ce qu'il a dit au LSPD, au BCSO cet après-midi. Nous, on se retrouve à être fouillés tous les 4 mètres. Et à un moment donné... Et puis là, du coup, nous, on nous a donné le droit de le faire. Bah forcément, on va s'en servir. Moi, il annonce que, si, c'est ce qu'il a dit, hein. Si ça continue les contrôles aux faciès, on va trouver malheureusement un policier mort. C'est pas une bonne idée, et c'est pas une menace. Bah le truc c'est que jusqu'à maintenant on n'a pas encore répliqué, sauf que moi j'ai des gars qui se font braquer, les derniers ils étaient deux, il y avait 7 ou 8 personnes en face, avec des armes de poing. À un moment ou à un autre, moi j'ai un gars qui va riper et qui va tirer. Et moi j'aimerais bien éviter d'en arriver là, donc avant d'en arriver là en fait, je vais aller chercher ceux qui chient dans les bateaux. Ça va finir un carnage si vous allez les chercher. Bah c'est un risque, mais je peux pas non plus laisser faire. Qu'est-ce qu'est le juste milieu? Bah le juste milieu c'est qu'ils arrêtent tout de suite. Et s'ils peuvent me rendre l'arme qu'ils m'ont piqué, ça m'arrangerait aussi. Ils vous ont piqué ou... Non, je vais pas vous mentir. Je sais. Oui. Ils m'ont piqué. Bah, vous avez... Mais excusez-moi, c'est vos hommes qui déteignent sur moi. J'ai raconté les mêmes conneries qu'eux. Non, je sais qu'ils vous ont piqué ou une fusil. Donc... Je sais que c'est les Vagos. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Mais j'ai eu... Je sais pas si vous connaissez M. Benson au téléphone. Qui m'a confirmé que c'était eux. Parce je passe que... de toi coup de fil, n'envoyez pas tout de suite la cavalerie dans le quartier parce que ça va pas nous arranger nous non plus. C'est pour ça que je voulais qu'on discute, monsieur Google. Passe de toi coup de fil. On m'a dit que vous étiez quelqu'un qui voulait discuter. Donc bah écoutez, j'appelle et on discute. Il passe de toi coup de fil et il voit ce qu'il peut faire. Merci beaucoup, on s'y encourt là. A plus tard. Il vient d'avoir une conversation intéressante avec le shérif, mais pas que. C'est la merde. Tu veux passer à la maison? Je suis avec deux shérifs en fait. Avec qui? Avec Fraser et Carter. Ah. Et il t'explique que dans tous les cas, les deux ils vont te la mettre à l'envers, c'est sûr. Et qu'il vient d'avoir les shérifs. Shérif Touré. Mm-hmm. Si on ne trouve pas un compromis, c'est les Gibbs ou SWAT qui rentrent dans le quartier, armes en main, en mode délogage de tous les Vagos. Donc il faut qu'on trouve un compromis parce que c'est bon pour personne et surtout d'où il tient l'information. Benson Ryan. Donc on va trouver un compromis. Mm-hmm. Je t'attends à la maison. Seigneur Palnas, comment allez-vous? Bien vous, monsieur Beagle. Il y a des soirées avec, il y a des soirées sans, mais c'est une soirée plutôt avec pour l'instant. Ça va dépendre de l'issue. Ah, et c'est un peu compliqué pour le moment, il me semble, pour votre milieu. Je vous téléphonais parce que j'ai une petite question pour vous et peut-être que vous allez pouvoir me répondre. Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Si je vous donne un nom, est-ce que vous pouvez me dire si ça vous... vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas? Bien sûr, dites-moi. Monsieur Kenzo Tanti. Je connais. Il apparaîtrait que peut-être qu'hier il a été, il a tenté de taper dans un camion du Black Cat. Et son nom apparaît beaucoup. Ouais, hein, depuis hier, on est d'accord. Hein. Si. Pero, je vais être franc avec vous, vous avez toujours été franc avec moi, c'est qu'il y a rare, et il n'a rien fait. D'accord. Il y a une personne, par contre, qui est à sa manière, a pris une information et allé la raconter partout. Mm-hmm. Mais il y a un certain père Davros qui lui a décidé de faire chier tout le monde en disant à tout le monde qu'il a vu Monsieur Tanti hier soir avec sa voiture. Et je peux vous dire que ce n'est pas des conneries, ce n'est pas lui. Il fait vérifier, ce n'est pas lui. Il a beaucoup trop à perdre. Il a déjà un business qui est bien rodé. Oh bah vous savez, moi, l'idée c'était plutôt de se renseigner. De toute façon, je lui sonnais, j'ai son numéro. Donc, mais je voulais un peu me renseigner avant pour voir un peu à quoi j'avais affaire, vous voyez. Si. Comme toujours. Ok. Bah, je vous l'appelle plus tard, ça n'a pas ça marche. Ok, bon, bah, shérif, c'est réglé. C'est réglé, c'est géré. J'ai un de mes gars qui vient de se rendre. Et donc, pour l'histoire de l'arme et tout. En fait, de l'histoire de l'arme, bah, genre, c'est pas nous. Ils ont aucune preuve de tous les cas. Ils sont grands, c'est pas les sagons. Il y a eu le shérif, il m'a dit de trouver une solution parce qu'il a eu au téléphone Benson Ryan qui lui a dit que c'était vous cet après-midi. Ouais, sauf que ça c'est faux. Parce que j'ai vu Benson Ryan cet après-midi mais qu'il a... et que Benson a appelé Touré devant moi. Et qu'à aucun moment il lui a dit que c'était nous. Oui. Shérif, c'est réglé? C'est réglé, monsieur Neil est beaucoup plus calme. Ok, d'accord, il m'a dit il n'a pas l'arme, il gale de tout et tout ça.
Ouais, c'est ça. C'est mieux, c'est beaucoup mieux comme ça. On a discuté et pendant ce temps-là, j'avais mes hommes qui discutaient aussi avec Evanil. Ok, donc il essaie d'allier en fait. Ils viennent déplacer des billes et pour lui. Non, c'est pas pour rien. Il est passé les 25 dernières minutes à attendre à placer des billes et ils viennent de passer pour une connard à dire des propos que vous avez ou Benzalinal qui vous a appelé. Où j'en ai un qui me dit qu'il est sous le menteur. Donc il passe pour une blaireau. Un menteur. Parce pourquoi que si, en me disant que c'est impossible que vous l'ayez eu et que vous êtes une petite pute qui ment. Vous êtes une petite pute qui ment ou vous n'êtes pas une petite pute qui ment? Non, je est-ce que vous avez vu monsieur Benson hier? Parce que là, vous me prenez tous les deux à partie. Il y en a un qui va douiller. Oui, j'ai eu monsieur Benson au téléphone. Oui. Qui vous a dit mot pour mot que l'arme de la catégorie 3, c'est les Vagos qui les a? Oui. Si vous voulez, on se voit, je vous montre mon répertoire téléphonique, vous allez voir que j'ai un appel de M. Benson. Il y a une chose qui est sous le débat, c'est que quelqu'un me mente, et il y en a un des deux qui me ment. Et ça m'énerve. Oui, je vais bien vous croire. Il veut bien faire le médiateur, mais si c'est pour me faire niquer, c'est non. Oui, je comprends, c'est pas quelque chose d'agréable. Non, j'ai eu M. Benson au téléphone, M. Miguel. Il vous a appelé ou vous a envoyé un SMS? Je l'ai eu au téléphone. C'est lui qui m'a appelé. Pourquoi je vous aurais... Enfin... On a parlé franchement tout le long de la conversation, pourquoi je vous aurais menti là-dessus? Vous m'appelez, vous me dites, il me faut mon arme ou il défonce tout. Et là, vous me l'appelez, vous me dites, c'est bon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Non, c'est pas qu'on s'en bat les couilles, c'est que là, il me soutient que c'est pas lui. Bah écoutez, très bien, je vais rappeler Monsieur Benson, je vais rediscuter avec Monsieur Benson. On va voir ce que Monsieur Benson va m'en dire. Je vous souhaite une bonne soirée, chef Touré. Merci, vous aussi, Monsieur Mouquet. Il vient de dire au shérif, qui est où le shérif ou toi? Quand il veut savoir, il est tout. Mais pourquoi? Il y en a un des deux qui me ment. Le shérif me dit, j'ai eu Benson Ryan. Benson Ryan m'a dit que c'est les Vagos qui ont l'arme. Et toi, tu me dis, c'est un menteur. Benson n'a jamais dit ça. Bah, en tout cas, devant nouvelle. Moi. Quand il... Non, total. Quand il va voir monsieur Benson Ryan, il lui demanderait. À partir de là, celui des deux qui m'a pris pour une conne, il l'ouvre en deux. Il y a un moment donné, il va falloir arrêter de me prendre à partie pour me raconter des conneries qui viennent de gauche ou de droite. Au pire, on me dit pas. Mais ils me trouvent pas comme une conne avec les deux qui m'appellent en disant de moi et qui me font passer pour une débile envers l'autre. Il est noté. Moi, j'ai une question. Est-ce que quand Ryan, il a appelé le shérif devant toi, qu'il a dit nanana, je sais pas quoi, j'étais pas là. Est-ce que lui, il a pas compris comme c'est des Vagos qui ont l'arme et du coup, ils font un raccourci? Oui, c'est 100% ça. Mais genre, devant moi, il a jamais dit ça. Donc, il est tout le shérif. Nickel. Bon, et ben on se tient au courant. Pas de soucis, bonne soirée. A plus les gars. Bonne soirée. Oh putain, pourquoi j'ai fermé ma caisse? C'est vraiment de la merde ces clés. J'en ai vraiment marre.